Bonsoir, j'espère que le printemps ne vous a pas tourné la tête. Nous, oui, aujourd'hui, pas de météo en direct. Il faisait si beau qu'en ce jour d'élection, nous avons décidé de sortir. Pas facile d'accomplir son devoir de citoyen, alors qu'il y avait du soleil sur toute la France. Demain, changement temporaire, une perturbation traversera le pays. Elle donnera de la pluie le matin sur l'ouest et l'après-midi sur l'est. À l'arrière, retour des éclaircies avec quelques averses et du vent de nord-ouest assez fort en Manche. À signaler également de la neige sur tous les massifs, d'abord à 2000 mètres, puis à 1200 mètres en fin de journée. Les températures minimales resteront très élevées, 4 à 8 degrés. Baisse sensible des températures maximales, il fera entre 10 et 12 degrés sur la moitié nord et 13 à 17 degrés sur la moitié sud. Très bonne fin de soirée, à demain. Par tous les temps, il fait bon programmer sa vidéo. Lundi. Humour noir et rire grinçant pour un trio infernal, Blier, Carmet, Depardieu, sur le buffet froid de Bertrand Blier. Mais non. Mais si. Mardi, 7 d'or du meilleur téléfilm et 7 d'or du meilleur scénario. La croisade des enfants de Serge Moati, première partie. Mercredi, quand l'amour légitime a du plomb dans l'aile, Monsieur Chasse, un vaudeville percutant de Georges Feydeau. Je ne peux pas te résister. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas me résister. Jeudi, Victor Lanoux et Marie-Christine Barrault, unis par les liens de l'amour et du sang. Cousin-cousine, une comédie sentimentale et sans tabou de Jean-Charles Takela. Bonjour cousin. Vous allez vous mettre là? Vendredi. Mountbatten, dernier vice-roi des Indes. Une nouvelle série en 6 épisodes. Le destin exceptionnel d'un homme qui rendit la liberté à 400 millions de révoltés. Samedi, l'homme invisible perd la tête. Betty Boop fait la fofolle et les bisounours deviennent ma boule de Sam Dynamite. Que c'est drôle! Dimanche, 70 villes en multiplex, tous les résultats du second tour des municipales, présentés à 19h45 par Philippe Dessin. À 21h10, Optique passe à la loupe l'art contemporain au cœur du dragon. American Express, un mot fait la différence, membre. Allô, la permanence American Express, j'ai dû perdre mon portefeuille. Pour nous, Monsieur Legrand est membre d'American Express. Dès demain, il aura une nouvelle carte. Car à tous ses membres, American Express garantit un service personnel exceptionnel. Je vous remercie. Parfait. Nous avons perdu nos cartes, notre argent. Et même nos passeports. Rassurez-vous, je fais le nécessaire. C'est très bien. Cette fois, c'est pour moi. Je vous invite. Pas question. Vous m'avez déjà fait le coup la dernière fois. Dis non, voyons, je vous en prie. Être membre d'American Express, c'est aussi bénéficier de l'assurance automatique achat. American Express, être membre a ses privilèges. La séduction à l'infini. Parfum Bic, où tu veux, quand tu veux. En cuisine comme en économie, rien ne vaut un bon tour de vis. Cuisine Mondial Kit, vous les montez, les prix baissent. Mondial Kit! Avant, programmer le magnétoscope, c'était plus long que de voir le film. C'était une gymnastique compliquée. Désormais, le crayon optique Panasonic programme directement sur le journal. Et ça rentre tout seul dans le magnétoscope Panasonic. Et ça, c'est simple. Panasonic, le nouveau monde électronique. Et c'est intelligent.
C'est à la fin de 1935 que Tex Avery, qui avouait avoir des problèmes d'argent chez Walter Lance, dont il était le collaborateur, décide de le quitter et de rejoindre le département d'animation de la Warner Bros., dont Leon Schlesinger était le patron. Je ne sais ni pourquoi ni comment, raconte Tex Avery, Schlesinger a misé sur moi. Il avait l'air visiblement aux abois. Il m'a dit, je vous prends à l'essai sur un film. J'ai là quelques gars, ce ne sont pas des renégats, mais ils ne s'entendent pas avec les autres équipes. Ils ne sont pas contents de travailler avec les gens avec lesquels ils travaillent actuellement. Schlesinger sépare ses collaborateurs turbulents et trop individualistes et les installe dans une petite baraque près de Sunset Boulevard, vite baptisée Termite Terrace, la terrasse aux termites. Nous ne respections rien, se plaisait à remarquer Bob Clampett, l'un des cartoonistes de l'équipe. Tex Avery apparaît au générique en tant que Fred Avery, son prénom original, Tex étant un surnom. Thank you.